Ralentir, répartir, capter, infiltrer. C'est le chemin idéal de l'eau de pluie. L'eau est au cœur de nos vies, de notre histoire. Dans le bassin versant des rivières Matapédia et Ristigouche, elle abrite le saumon atlantique, le roi de nos rivières, moteur de développement économique, touristique et symbole de la région. Mais la qualité de nos lacs et rivières, habitats du saumon, est mise en danger par un ennemi insoupçonné qui passe sous vos yeux à chaque pluie. L'eau de ruissellement. C'est toute la pluie qui tombe sur des surfaces imperméables, comme les toits, les cours et les rues. Comme cette eau n'est pas absorbée par le sol, elle gagne de la vitesse et érode le sol, amenant au cours d'eau des sédiments, contaminants et détritus qui n'ont pas pu être filtrés par les plantes et la terre. Même à quelques kilomètres du moindre ruisseau, vous avez un impact. L'eau ruisselle le long des entrées, des rues, puis entre dans les trous d'hommes et se retrouve à la rivière. Colmatage des frayères de saumon, apparition d'algues et cyanobactéries dans les aires de baignade, tourisme affecté, pêche moins fructueuse, infrastructures à entretenir plus souvent, l'eau de ruissellement cause de nombreux problèmes qui vont augmenter avec les années et avec les changements climatiques. Heureusement, il existe des moyens simples et peu coûteux pour le limiter. Ralentir l'eau de pluie, la répartir sur une plus grande surface, la capter, puis l'infiltrer dans le sol sont les quatre grands axes de solution. Plus concrètement, le débranchement des gouttières du réseau pluvial, l'aménagement de jardins de pluie et la désimperméabilisation des surfaces permettraient de limiter au maximum l'apport de sédiments et de contaminants dans l'eau qui nous entoure. Plusieurs de ces solutions ont déjà été mises en place par des citoyens et municipalités du bassin versant. De Sébec jusqu'à Matapédia, de nombreux jardins de pluie, tranchées filtrantes et plusieurs noues ont été aménagés. Faites de vos aménagements paysagers des protecteurs de la rivière. C'est si facile et très efficace. Chacun doit faire sa part pour assurer à nous, aux générations futures et aux saumons, une eau de qualité. Impliquons-nous tous ensemble, ralentissons l'eau, répartissons-la, captons-la et laissons-la s'infiltrer dans le sol. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.obvmr.org.